nouveauté, c'est que au lieu d'appuyer sur le buzzer, un coup de gong. Allez. Donc on a vraiment réduit les surf. On a vraiment réduit les budgets quoi. Ah ouais. Vous donnez vos trois réponses en 5 secondes et vous buzzez. Vous êtes prêts? Ouais. Comme c'est l'été, on commence avec toi Arnaud. Trois sports nautiques. Le ski nautique, le parachute et l'ascensionnel et la plongée. Non Arthur, t'as bipé avant la plongée. Moi, la dégage. Arthur, Cartman, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Trois sports nautiques, c'est easy. Pas dur. Camille, trois activités à faire le soir sur une plage. Un barbecue, du ukulélé, un feu. Trois activités à faire le soir sur une plage. Manger, pique-niquer et chanter. Trois activités à faire le soir sur une plage. Du molki, se baigner, du naturisme. C'est quoi du molki? Ah bah tu sais, c'est le truc sur ça que tu jettes. Ah d'accord, ok. Trois manières de draguer sur la plage. Buonasera, mi chiamo Cartman. Bonsoir madame, est-ce que vous avez de la crème? C'est énervant ce truc. Bonsoir madame, est-ce que vous avez de la crème? Ouais, je sais pas pourquoi. Ça, c'est super. Il est 21h. T'arrives en costume sur la plage. Bonsoir madame, est-ce que vous avez de la crème? Si t'as qui? Vous avez du lubrifiant? Vincent. Vous avez vu que ça met la pression ce truc-là hein. Ça met vraiment la pression. Attention. J'y connais rien du tout. Trois types de nage. Le crawl, le dos crawlé et la brasse coulée. Ouais, pas mal. Trois moyens de se rafraîchir en été. Alors, une glace, de l'eau fraîche et une douche. Très bien. Bien joué. Trois expressions pour dire qu'il fait chaud. Ah, oh, fait chaud. Oh, j'ai commis. Ah, oh, quelle chaleur. J'ai quoi, t'as dit? J'ai commis, c'est commis. C'est du ch'ti. C'est du ch'ti, j'ai commis. D'accord. Voilà. Ok, trois métiers que l'on pratique sur la plage. Oh, j'ai commis. Attention. Non. C'est non, quoi? Trois métiers. Chouchou, caramel. Chouchou. Maëva. Maëva et Camille. Salut les filles, bienvenue à la bibliothèque. Alors, on est parti. Trois cris d'amour. Oh bah tout de suite. Ah oh, I c'est quand t'as pas envie mais que tu veux faire croire que un peu. C'est sur la plage. Ouais. En tout cas, tu le fais très bien. Ouais. Attention, trois choses que l'on trouve sur ton dans ton sac à main le soir quand tu sors. Un briquet, un rouge à lèvres et un mascara. Trois choses que l'on trouve dans ton sac à main le soir quand tu sors. De l'argent non, parce que j'évite. Bah moi qui paye. Tu nous as remonté ta vie. Elle a dit c'est pas moi qui paye. Elle a dit c'est pas moi qui paye, ah bon, bah c'est non. Ça. Une évidence quoi. Bah de l'argent non, c'est pas moi qui paye. Je sais pas, y'a rien dans mon sac. Ça fait une énorme connerie. Avec les lunettes, on dirait le prof de maths. Attention, trois choses dangereuses à la plage. Manger avant d'aller se baigner, les requins et les piranhas. Les piranhas à la plage. C'est piranhas, ouais. Ouais, là, c'est à la pas dedans, dans la... Les piranhas, c'est pas dans la mer, c'est dans les rivières. Ouais. Mais non, mais n'importe, dites-lui. Riyad. Oh merde. Il est quand même à la sienne, Riyad. Manger avant d'aller se baigner, se mouiller la nuque, se rafraîchir ici en cas d'arrêt cardiaque. Attention, Maëva. Se mouiller l'anus. Attention. Trois choses que l'on mange sur la plage. Une glace, un beignet, une banane. Trois choses qu'on achète sur une plage. Des chouchous, des hot dogs et des glaces. Attention, trois types de maillots de bain pour femmes. Maillot de bain triangle, une pièce et deux pièces. Maillot de bain triangle, c'est quoi ça, triangle? Les films. C'est quoi maillot de bain? Bah non mais... Attention, trois mots d'amour. Je t'aime, I love you, bébé. Bébé. Bébé, c'est un mot d'amour, ça? Non. Bébé, bah oui, bébé, c'est un mot d'amour, bébé. Bien sûr, c'est un mot d'amour. Bon. Bien sûr bah que oui, c'est. Hein. Merci. C'est un surnom. Mais non. Que par exemple, ta fiancée, tu la surnommes comment? Bébé. Ma chérie. Ou parce et toi, elle t'appelle comment? Mon chéri aussi. Et toi, c'est quoi le surnom que tu donnes à ton mec? Bah, je ne le donne pas. Ah bon? Non. Ah, parce que t'en as pas? Bah non. Ah, sa mère? Toujours pas. Si tu devais un surnom d'amour à sa mère, ça serait quoi? Mon petit chat. Mon petit chat. Oh. Et toi, tu donnerais quoi comme surnom? Ma chatte. D'accord. Voilà. Camille, c'est quoi ton surnom? Je valide pas trop.
moi, mon surnom, moi, je dis bébé. Hein, bébé. Donc, je suis d'accord avec non, mais... et ton mec, il t'appelle comment? Il m'appelle bébé. Bébé, c'est vrai. Oh. Cartouche. Moi, c'est très classique. Mon amour, mon cœur. Là, je me fais pas chier. Hein. Mais sinon, t'es en train de prendre deux goûters, là. T'es en train de manger? Oui, exactement. Excusez-moi, j'étais à la table. Pardon. Warid, c'est quoi ton surnom? Je sais pas, j'ai jamais eu une meuf. Oh, oh non. C'est trop mignon. Ton mec, alors? Ouais. Et toi, Vincent? Moi, c'est crocodile. Tu l'amour. Attention, ça on est parti avec toi, Maëva. Trois choses qui font du bien. De la crème solaire, un massage, un bisou. Et un bisou. Un bisou, ça marche pas. Si, ça fait du ça bien. Fait du bien. Trois choses contre lesquelles tu aimes te frotter. Ah mais non, mais je peux pas dire aussi, vas-y. Après, non, parce que non. Si je commence à dire j'aime me frotter contre un... Un arbre. Si ouais. Je me frotte pas contre les arbres. Une chèvre. Vas-y, elle était dure, celle-là. Contre de la crème solaire. Voilà, franchement, t'avais plein de elle réponses. Elle était dure, celle-là. Elle était dure. Elle bah était oui, dure, elle était dure. Ouais. Attention, sa mère, trois choses sur lesquelles tu aimes te frotter. Maëva Cook, Camille Serre et un arbre. Exactement. Trois parties du corps de sa mère que tu regardes en premier. Le menton, les yeux et les fesses. Trois choses que tu penses en voyant Maëva. La vie est trop courte. Je t'aime. Demain. Maëva, trois réactions quand tu vois Arnaud en maillot de bain. Waouh, oulala. Il y a un truc, il se passe un truc. Le oulala, ouais. Il est descendu bien bas. Bah ouais, c'est parce que ça traîne. Trois plats que tu cuisineras pour Maëva. Un couscous, du tagine et des croques, monsieur. Ouais, bah après ça, vous ferez pas l'amour, vous irez dormir. Hein. Mais... Attention, trois mots d'amour que tu donnerais à notre amie et sa mère. Mon petit chat, mon petit singe et ma petite chenille. Ma petite chenille, c'est triste. Hein. Ça, petite chenille, franchement. Petite chenille en libido, c'est le moyen. Ma petite chenille. C'est deux portails confus. Elle marche comme ça, la chenille. Mais il fait très bien la chenille. Très bien la chenille. Les trois premières choses que tu as regardées chez Maëva. Ses yeux, ses cheveux et ses mains. C'est énervé là. Les trois mots que tu donnerais à ta mère pour décrire sa mère. Beau, gentil et attentionné. Ah, mais non, on parlait de Arnaud, de sa mère. Sa mère, hein, pardon. On parlait de lui. Hein. Beau, gentil, attentionné. On parle de... Il se passe un truc. Lent. Eh, t'es bien toi, là tu crois que t'es en speed dating là. Ouais. Ah. Ah, mais je suis jamais resté aussi longtemps. Trois problème. Cris d'amour. Trois cris d'amour. Ok, donc elle a fait l'amour avec un poney, on est d'accord. Je crois qu'on va faire un match nul, les amis. Non, dernier. D'accord, dernier attention, tu es prêt. Demande-moi des trucs sur Maëva. Trois choses longues et molles. Des spaghettis cuites, un serpent mort et... C'est Maëva qui gagne. Bravo.